I don't know. It's going to be one of those, you know, awful videos because you're going to realize, oh, the hair, oh my God, the hair. No, really, I think it's pretty at all. Bonjour à tous. I thought we could do something a little different today. I have invited my favorite Frenchman, Max. Salut tout le monde. Bonjour and i thought we could discover who he is by asking him 20 simple questions in french are you ready to work on your listening skills guys let us know in the comments how you would have answered the questions alors max comment ça va aujourd'hui ben écoute alexa ça va très bien c'est toujours un plaisir d'être avec vous en studio donc uh, all good for me all good for you yes. ça va très bien est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions Non, <laughs> parce qu'il ne sait pas les questions qu'on va lui poser. Alors, on va commencer. Je vais te poser 20 questions. Okay. Alors, première question, où est-ce que tu es né Alors, je suis né à La Réunion. C'est une petite île dans l'océan Indien, juste à côté de Madagascar et de l'île Maurice. Donc, tu n'es pas né en France, métropole euh, Non, je suis né dans les Dom-Tom. Donc, qui euh, veut dire en français euh, département et territoire d'outre-mer. Voilà. C'est intéressant. Alors, quel âge as-tu If you're not comfortable discussing age, <laughs> we can skip that one. <laughs> euh, non, non, je n'ai aucun problème avec mon âge. Euh, J'ai 39 ans, euh, bientôt 40. Ouh. Et oui, le ouais. temps passe, mais euh, en fait, je me sens euh, beaucoup plus confortable avec moi-même maintenant qu'il y a quelques années. Donc euh, voilà. Ça, c'est intéressant. Quels sont tes passe-temps Favoris. Alors, je suis euh, un grand fan de manga, notamment euh, animé. Donc, je regarde euh, plusieurs, j'en suis beaucoup euh, tous les jours. Et ensuite, je suis un genre de volet. Voilà, euh, je m'entraîne et je joue en Division 1 à Londres, qui est un niveau régional. Et euh, dernièrement, j'adore euh, les romans français. Voilà, classique. Alors, je, je vais te poser une petite question en plus. Quel est le roman que tu lis en ce moment Alors en si ce moment, veux. je lis un roman d'Amélie Nothomb oui. euh, qui s'appelle Premier sang. Voilà. Très bien. Combien de langues est-ce que tu parles Alors je parle deux langues couramment oui. euh, le français qui est ma langue maternelle et l'anglais puisque ça va faire maintenant dix ans que j'habite à Londres. Euh, voilà. Donc je pense que mon anglais est plutôt euh, pas mal. Euh, je me suis mis à l'espagnol récemment. Donc, euh, on verra. C'est euh, vraiment les débuts. Euh, J'apprends encore euh, comment euh, tous les mécanismes de la langue et euh, un peu de vocabulaire. Donc, euh... Ok, cool. Tu habites au Royaume-Uni, comme moi. Qu Qu'est-ce qu qui te manque le plus de la France ah, Ce qui me manque le plus en France, euh, je dirais, c'est l'art de vivre à la française, euh, la nourriture, la cuisine, évidemment. Et puis, papa et maman. Oh, papa et maman me manquent. Oui. <laughs> tu es plutôt ville ou campagne Alors, euh, j'adore faire un petit euh, saut à la campagne le week-end, mais je dirais plutôt ville. Ville. Mmh. Tu es plutôt du matin ou du soir Alors définitivement euh, du matin. Euh, je me réveille en général assez tôt et j'aime bien prendre mon temps à me préparer, euh, que ce soit pour aller au travail ou euh, même quand j'ai un jour euh, off. Comme ça, après, euh, je planifie ma journée tranquille. Voilà. Très bien. Est-ce que tu bois du thé ou du café le matin Alors, très bonne question. Les deux, ça va dépendre du moment de la semaine. En général, euh, dans les jours de la semaine, ce sera café. <laughs> bon coup de fouet avant d'aller au travail. Et un le bon week-end, euh, un bon thé. Voilà, quand j'ai le temps à la maison, tranquille. Ah. <laughs> Tu aimes le sport Alors tu nous as dit que tu faisais du sport. Oui, effectivement. Alors je viens d'une famille euh, très sportive. Euh, mon papa euh, courait des marathons wow. et euh, ma belle maman était euh, prof de sport et notamment elle était en équipe de France euh, de handball. Voilà, l'UNSS euh, quand elle était plus jeune. Donc j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai fait du tennis, du badminton, de l'athlétisme, du volley, du basket, du foot. Euh, voilà. De de choses, de choses. Et tu as dit de que de tu jouais jeu. bien, bien sûr, du volet oui, euh, en première division, t'as dit Oui, en division 1 ah. à Londres, ce qui est un, donc est un niveau régional. Euh, voilà, on, on espère monter avec l'équipe euh, en première, qui est un niveau accession nationale. Donc, mmh. juste avant. Euh, voilà. Donc mmh. là, ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux. Yeah. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle alors, je suis une personne assez positive et assez euh, enthousiaste, donc je dirais un orange, un orange très euh... comme l'orange de ton euh, euh, de ta ta un, un petit peu plus, euh, un petit peu plus vif, un petit peu voilà. plus vif, un vif orange, quelque chose un petit qui peu donne la pêche le matin, alors, non, non, encore plus euh, pétant, ouais, voilà, ah ouais, exactement, okay. d'accord. Et quelle est ta ville préférée en France Alors, ma ville préférée en France, je dirais euh, Bordeaux. Voilà. C'est une ville dans laquelle j'ai habité pendant deux ans et euh, c'est pour moi une ville qui a un bon compromis entre euh, le côté euh, très urbain où mmh. il y a euh, plein de restaurants où il y a aussi euh, plein d'activités euh, artistiques euh, ou euh, une bonne programmation par exemple euh, à <laughs> de, au théâtre, au théâtre au... Euh, à l'opéra. Oui, euh, et en même temps, euh, ils ont refait tous les quais. Donc, euh, c'est une ville où on peut facilement euh, passer du temps dehors, euh, faire du sport. Ou, euh, et puis, ça reste tout près. En fait, euh, c'est à quelques heures de, des montagnes, voilà, de, des Pyrénées. Et puis, euh, c'est à euh, 30 minutes, 40 minutes de, de l'océan. Donc. Euh... Ah, est parfait. On adore et deux ouais. heures de Paris en train <laughs> pour les week-ends. <laughs> Alors pour toi c'est pain au chocolat ou chocolatine Ah chocolatine évidemment ah. chocolatine. Et eh oui je, je viens j'ai grandi dans le sud-ouest entre les Landes et la Rochelle donc ah, c'est chocolatine. Explique. Pour moi c'est pain au chocolat mm -hmm. donc toi c'est chocolatine. Qui est ton artiste francophone préféré Alors ça peut être n'importe quel artiste mm -hmm. même même acteur actrice peintre etc etc mm -hmm. Non, je dirais, euh, honnêtement, moi j'ai grandi dans les années 90, donc euh, Céline Dion, voilà. Très bien, alors, toujours une mais, mais attends, spéciale attends, dans attends, <laughs> oui, francophone, je suppose que, puisqu'elle vient du hmm. Québec, elle vient du Québec, Céline Dion, je Et ne oui. sais plus, oui, oui, euh, oui, du, oui tout à fait. Ok, alors, quel est ton plat français préféré Pouh, Alors, je vais faire très classique, mais moi, j'adore un bon croque-monsieur. Ah. Alors là, ouais. Tu me fais un bon croque monsieur hein, ouais. avec du jambon, du bon fromage que tu ah, ouais. Et de la béchamel, non Non, la béchamel. Est-ce que tu mets euh, du, du fromage par-dessus Tu sais, tu fais le grill, enfin, tu sais, à fond, quoi, à fond, croque monsieur. Hein. Euh, mmh. Ou alors c'est la croque madame, ça. Ah, croque madame avec l'œuf dessus. Mmh. Ah, il y a un œuf mmh. dessus. Ah. Mmh. Encore mieux. Encore mieux. Ouais, okay. des frites maison, une petite salade. Nickel. Ta série préférée Alors, soit en ce moment, ou est-ce que tu as une série préférée euh... Alors, ça va être euh, un des animés que j'ai regardé. Il oui. s'appelle Hunter, ex-Hunter. Et okay. euh, c'est vraiment un des meilleurs, meilleurs, euh, mes meilleures séries que j'ai eues de toute ma vie. C'est incroyable. Très bien. Je le recommande. Tu, tu le recommandes yes. C'est un manga, ce que tu as C'est un manga. manga. Ouais, ouais. Très bien. Est-ce que tu préfères les chiens ou les chats Ouh, Alors, question difficile. J'ai grandi avec les deux. Ah. Euh, chez papa, j'avais des chiens, chez maman, des chats. Donc, euh, j'ai actuellement, euh, d'ailleurs, j'ai un chat qui s'appelle Eddie, qui je fais coucou. <laughs> T'es sage à la maison, hein C'est toi qui te regarde on, oui. sait non, on sait je, je crois jamais. Il, est, il doit être en train de dormir, surtout. <laughs> voilà. Euh, donc, j'aime beaucoup les deux. Ouais. ouais. Très bien. Si tu étais un dessert, qu'est-ce que tu serais Un mmh. Paris-Brest. Ah, c'est quoi le Paris-Brest Alors, c'est du chou et avec une crème euh, pâtissière. Euh, Très bien. Voilà. Oui, oui, oui. On adore. Okay. Mmh. Mmh. Fromage ou vin mmh. Vin. <laughs> non, c'est le vin avec le fromage. <laughs> que... ouais, avec ou sans <laughs> Avec ou sans. Est-ce que tu préférerais vivre dans un pays chaud ou froid Ah, alors, c'est une bonne question euh, j'ai grandi dans le sud-ouest et c'est vrai qu'on a quand même euh, un temps assez privilégié, on a assez privilégié de ce côté-là. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui me manque, notamment euh, la lumière euh, pendant les, les mois d'hiver. Maintenant, hmm, j'ai toujours eu un faible pour les pays scandinaves. Euh, donc, euh, non, pays chaud. Ah, OK. <laughs> Je me suis dit que les scandinave, pays froid. Non, OK, pays chaud. Très bien quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone ou est-ce que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone euh, non oui <laughs> <laughs> j'aimerais dire non mais malheureusement je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone et notamment instagram euh, c'est une catastrophe euh, mais euh, j'adore euh, en fait c'est une application qui euh, m'a permis de découvrir plein de choses, que ce soit euh, des artistes euh, visuels, que ce soit euh, ah, des influenceurs euh, qui, voilà, qui, très, qui voyagent euh, partout dans oui. le monde oui, et oui, euh, oui. qui font part de leur expérience. Euh, euh, mais notamment tout ce qui est mode, tout ce qui est euh, architecture d'intérieur, euh, etc., ça, ça j'adore. Et euh, je peux passer des heures à chercher de nouveaux. Euh, voilà. mmh. Pour moi, c'est Google Maps. <laughs> tu te perds tout, le temps. <laughs> Je me perds tout le temps. Eh bien voilà, nous avons posé 20 questions à Max. Max, est-ce que tu as des questions pour moi Alors, hmm, juste comme ça. Oui, comme ça. Euh, est-ce que euh, tu joues d'un instrument, par exemple euh, Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que j'arrive à jouer beaucoup d'instruments, mais pas bien. <laughs> euh, et quel est ton signe astrologique euh, C'est Gémeaux. Ouh. Ouais. Ouch. <laughs> Je suis né fin mai. Oui. Et... <laughs> Faites attention, Alexa, et Gémeaux. Oh merci en tout cas, Alexa. C'était oh, un bah, plaisir. Comme ouais, toujours. non, ouais. euh, c'était un plaisir pour moi, bien sûr. Now, of course, you can get a full transcript for this video by becoming a member of my channel. Just click on the join button. That's it for me. Au revoir. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Bisous, bisous. Salut, les gens. Salut.